Bonjour tout le monde, je suis Sylvia Fominaya et aujourd'hui je vais vous préparer une salade de courgettes avec le fromage de chèvre, fleur de menthe et coprolalus. Voici les ingrédients dont nous avons besoin. Deux courgettes fraîches de taille moyenne, pousses vertes, cornichons tranchés en lamelles, piment vert frais, quelques câpres, quelques olives type arbequina, un poivron rouge, la moitié d'un citron vert, sel marine type maldon et huile d'olive de qualité. Avec ces ingrédients, nous sommes prêts à commencer. Pour le salpicon, nous allons couper le fromage en carré. Regardez comme il est crémeux ce fromage fleur de Monte Cobreros. Il faut le couper très soigneusement. Maintenant, nous allons prendre le fromage coupé, une cuillerée à café de cornichons en lamelles, du piment vert. La quantité dépend de votre goût pour les aliments épicés. Un peu de sel, quelques gouttes de jus de citron vert et un filet d'huile d'olive. Il faut tout bien mélanger. Une fois le salpicon prêt, nous allons couper la courgette en lamelles à l'aide d'une mandoline. Si vous n'avez pas une mandoline, ne vous inquiétez pas et faites-le avec un couteau comme on l'a toujours fait. On y va! Regardez quel aspect merveilleux! Une fois les lamelles sont prêtes dans une saladier, ajoutez un peu de jus de citron vert, du sel, de l'huile d'olive de bonne qualité. Il faut être toujours généreux avec ça parce qu'on remarque une bonne huile d'olive. Nous allons faire revenir les quatre. Dès qu'ils commencent à s'ouvrir, vous devez les sortir. Maintenant, nous allons présenter le plat. Nous plaçons le lamelle de courgette en forme de cercle. Dans le cercle, nous placerons le salpicon, quelques lamelles de poivron rouge, les olives arbequina et les pousses vertes. Nous allons aussi profiter de l'huile utilisée avec les courgettes, bien plus savoureux. Finalement, nous allons saupoudrer le capre frit sur le plat. Saviez-vous que lorsque vous faites frire les capres, ils deviennent croustillants et ils perdent cette saveur vinaigrée devenant délicieux? Comme vous pouvez le voir, avec le fromage fleur du monde de Cobreros, il est très facile de faire une salade appétissante. Saviez-vous que le fromage de chèvre a 30-40% moins de cholestérol que l'autre fromage? Maintenant, vous le savez, fromage de chèvre des fleurs de Monte Cobreros.